Les amis, me revoilà encore une fois. Voilà, bah aujourd'hui j'avais envie de vous partager. En fait, j'ai mis en place il y a quelques temps des témoignages de mes clients. Enfin, pour moi, c'est pas mes clients, c'est mes partenaires avec qui je vis des choses incroyables parce que ils me partagent leur quotidien dans leur entreprise. Et ils me partagent des choses exceptionnelles. Et aujourd'hui, c'était Victoria Rizzo. Elle m'a parlé un peu de son entreprise, elle m'a parlé de son problème, qu'est-ce qu'elle voulait mettre en avant, les choses qu'on ne voyait pas et comment on pouvait le mettre en image. Et justement, là, on a mis en place plusieurs vidéos. Et on a profité, je me suis dit, ce serait cool d'en faire une pour moi. Et voilà. J'avais envie de faire une petite intro pour vous expliquer. Et là, en fait, c'est Victoria Rizzo. Elle est psychonutritionniste. Donc, si vous voulez savoir plus de choses sur ce métier-là, moi, je vous invite à aller voir sa page. Elle fait des trucs incroyables. Et en plus de ça, vous avez les témoignages de ses clients qui est juste waouh. Bonjour, je m'appelle Victoria Rizzo. Je suis psychologue et nutrithérapeute et je suis spécialisée en psychonutrition. J'avais déjà vu leur travail. Je sais qu'ils ont une certaine notoriété, je sais qu'ils sont reconnus dans leur secteur. Et ils ont eu l'occasion de faire des vidéos de gros groupes. Et donc, j'ai fait appel à eux pour leur expertise et leur professionnalisme. Alors, je pense que la vidéo, elle amène une dynamique différente. Elle touche les gens autrement. C'est facile de regarder une vidéo, peu importe où on est, on peut écouter aussi si on n'est pas vraiment attentif à l'image. Qu'un site internet, il faut faire une démarche, il faut aller sur internet, il faut rechercher la personne. La vidéo, elle peut passer par hasard et puis finalement on s'arrête dessus. Et c'est là qu'on s'intéresse un peu plus au sujet quand on y porte de l'intérêt. Donc je trouve que ça apporte une dimension plus enrichissante et plus proactive. Cédric est quelqu'un qui m'est hyper à l'aise. C'est un gars où on sent très bien qu'il a de l'expérience, qu'il a l'habitude. Il s'approprie les lieux sans déranger personne finalement, parce que moi il est arrivé à la fin d'une consultation et il a pris possession des lieux sans que je ne lui explique quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est quand même intéressant parce que finalement ça nous implique, mais ça ne nous implique pas trop en même temps. Il ne dérange pas, il ne perturbe pas. Il a eu l'occasion de rencontrer quatre de mes patientes. Il a mis à l'aise tout le monde, il a posé des questions pertinentes. On sent qu'il connaît son métier et je savais déjà au moment de la conception de la vidéo que la vidéo serait nickel en fait. Alors en tant que psy, c'est pas très commun en fait de faire appel à un vidéaste pour faire de la publicité, et donc j'ai bien expliqué à Cédric que ce n'était pas de la publicité que je voulais, mais vraiment l'occasion finalement d'enregistrer le ressenti des patients, d'enregistrer des témoignages, etc. Et je crois qu'il a très bien cerné ma demande. Donc ça pouvait être un frein, mais finalement après discussion avec lui, on s'est mis d'accord sur une manière de travailler. Au niveau du prix, je pense que c'est un prix qui est tout à fait normal pour ce type de service. Il a quand même passé 3 heures et demie dans mon cabinet. Il a pris le temps de mettre en place les choses. Il a pris le temps avec mes patients. Il a pris le temps de démystifier aussi la séance, parce que finalement, c'est pas évident de parler derrière une caméra. Et au bout de quelques minutes, finalement, on se rend plus compte qu'on discute de cette façon-là. Et voilà, c'est vrai que ouais, j'avais une petite appréhension, j'avais préparé mes petites questions, j'avais préparé mes réponses, et puis Cédric m'a dit « laisse tout de côté, on y va au feeling », et j'ai eu raison de l'écouter, parce que je pense que c'est dans la spontanéité que ça se passe le mieux.